Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser le point de diadème. Donc, si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aimer ou à partager. Donc, sur ce, nous allons réaliser ce point. Donc, ce point, il va se réaliser sur une base de 30 mailles en l'air plus une maille. C'est un multiple de 6. Donc un multiple de 6 plus une maille. Donc nous allons réaliser une chaînette de 30 mailles en l'air. Donc vous prenez votre laine, vous faites la boucle de départ. Donc comme ça vous mettez votre crochet, comme ça vous avez votre première boucle. Donc là nous allons faire nos 31 mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt, vingt-et-un, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Plus une maille en plus. Donc là, vous voyez, on a fait notre chaînette et la première maille. Vous allez dans la deuxième maille, vous faites directement une maille serrée. Donc on fait une maille serrée. Après, on doit sauter deux mailles. Donc, une et deux. Et dans la troisième maille, nous allons faire cinq brides. Une. Dans la même maille. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Donc voilà, donc là on a fait notre groupe de 5 brides. Après, nous allons sauter encore une fois 2 mailles en l'air, donc une et deux. Et dans la troisième, nous allons faire, là cette fois-ci, nous allons faire une maille serrée. 2 mailles en, 3 mailles en l'air, une, deux et trois. Et encore une maille serrée dans la même maille où on a fait déjà notre maille serrée. Voilà. Après, nous faisons directement déjà notre jeté. Et là, nous allons encore sauter 3 mailles en l'air. Une, deux et trois. Et dans la troisième, nous allons faire notre groupe de 5 brides. Une, deux, trois. 4 et 5. Voilà, après. Donc voilà. Nous allons refaire encore une, deux et dans la troisième, une maille serrée et 3 mailles en l'air. Une, deux et 3. Et une maille serrée. Voilà, on fait directement notre jeté et une, deux et dans la troisième, on refait encore notre groupe de 5 brides. Une, deux, 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 trois, deux, deux. Pardon. 2. Trois, quatre et cinq.
Donc, là, je vous laisse faire encore votre groupe. Je vais sauter encore mes deux mailles en l'air. Puis dans la troisième, je vais faire ma maille serrée, mes trois mailles en l'air et ma maille serrée. Et après, je saute encore deux brides. Et dans la troisième, je fais mon groupe de 5. Et après encore, je saute deux mailles. Et dans la troisième, je fais ma maille serrée, mes trois mailles en l'air et ma maille serrée. Et après encore. Et après, je vous fais voir à la fin du rang, dans la dernière maille. Donc, je vais continuer mon rang. Et à la fin, je vais vous faire voir comment finir le rang. Et on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mon rang. J'ai fait mes groupes. Mon groupe de mailles serrées et mes trois mailles en l'air. Mon groupe de 3, de 5 brides, et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, je suis à la fin. Donc à la fin, ne faisons pas de groupe de mailles serrées et nos trois mailles en l'air. Nous finissons par une maille serrée dans la dernière maille de la chaînette. Comme ceci, nous faisons, voilà. Donc après, on retourne notre ouvrage. Et nous faisons trois mailles en l'air qui équivaut à une bride. Donc je fais une, deux et trois mailles en l'air. Et dans la maille qui est là, je vais faire deux brides. Une et deux. Comme ça, j'ai fait un groupe de trois brides. Que voilà. Vous voyez? Après, vous voyez où vous avez fait votre groupe de cinq brides. Vous allez à peu près au milieu et là, vous faites une maille serrée, trois mailles en l'air, une, deux et trois mailles en l'air et une maille serrée. Après, vous faites un jeté et dans le rang précédent, vous avez fait un groupe avec une maille serrée et trois mailles en l'air. Dedans, vous allez faire 100 mailles en l'air ou ainsi de suite. Vous faites vos 5 brides dedans. 1, 2, 2, 3, 4, pardon, 4 et 5. Après, vous refaites dans le groupe des 5 brides, vous refaites une maille serrée et 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Plus une maille de retour, une maille serrée. Après, vous refaites pareil dans le groupe où vous avez fait votre maille serrée, votre maille en l'air, vous refaites 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà. Donc, vous continuez. Donc là, vous faites à peu près au milieu votre maille serrée, vos 3 mailles en l'air et votre maille serrée. Après, vous allez dans le groupe d'après, vous faites vos 5 brides. Après, vous continuez encore dans le groupe des 5. Au milieu, vous faites votre maille serrée, vos 3 mailles en l'air et votre maille serrée, et ainsi de suite. Et on se retrouve là, à la fin du rang, pour vous expliquer la fin du rang et pour faire les rangs précédents. À tout de suite. Donc, j'ai fini mon rang. Ça donne ça. Vous voyez, même de l'autre côté, c'est réversible. C'est un beau point. Vous pouvez faire ça aussi pour une couverture. Donc après, là, vous faites un jeté. Et vous allez dans la maille serrée du rang précédent. Et vous allez faire trois brides dans la même maille. Donc, une, deux et trois. Vous retournez votre travail. Oups, pardon. Et on va faire une maille en l'air et une maille serrée.
Voilà. Et là, vous allez directement, vous faites votre jeté, vous allez directement dans le groupe de V. Vous voyez, on a fait notre maille serrée, nos trois mailles en l'air. Et vous allez faire votre groupe de 5 brides. Donc, une, deux, trois, quatre. Et 5. Après que vous avez fait votre groupe de 5, vous allez comme tout à l'heure dans le groupe de 5 et vous faites votre maille serrée, vos 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3 et votre maille serrée. Après, vous allez directement comme tout à l'heure dans le groupe de mailles d'où vous avez fait votre groupe de 3 mailles en l'air. Et là, vous faites vos 5 brides. Pardon. 1, 2, 3, 4 et 5. Après, encore une fois, dans ce groupe-là, vous faites votre maille serrée. J'ai pas bien piqué, voilà votre maille serrée, votre maille en l'air, 1, 2 et 3 et votre maille serrée. Après, vous refaites votre jeté et vous allez directement dans le groupe où il y a vos 3 mailles en l'air et vous faites votre 5 brides. 1, 2, 3, 4. Et 5. Donc je vous laisse continuer faire votre rang et on se retrouve là. À tout de suite. Donc j'ai quasi fini mon rang. Donc là, j'ai fait mon groupe de 5 brides. Là, je vais j'ai les 3 mailles en l'air du rang précédent et là, je vais dans la première maille des 3 maille en l'air du rang précédent et je vais faire une maille serrée. Donc là, je vais retourner mon ouvrage et je vais faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Donc 1, 2 et 3. Et là, je vais faire 2 brides dans la maille qui est juste là. Vous voyez, voilà. Et après, là, dans le groupe des 5 brides, je vais faire ma maille serrée, mes 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et ma maille serrée. Après, je vais faire encore une fois où il y a mes 3 mailles en l'air, mes 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Après, je vais directement où j'ai fait mes mailles serrées, mais pardon, mes brides. Et là, je vais faire ma maille serrée, mes 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et ma maille serrée. Donc voilà. Donc, je vais continuer mon rang et on se retrouve où on doit faire notre maille serrée, notre maille en l'air et notre maille serrée. À tout de suite. Donc, on se retrouve où il y a nos 5 brides. Donc là, on va faire notre maille serrée, notre 1, 2, 3 mailles en l'air et notre maille serrée. Et là, nous allons faire nos 3 brides dans la maille. On va faire, là, voilà, dans la maille serrée du rang précédent. Donc, on va faire nos 3 brides. 1, 2
Et 3. Et après, c'est un rang qui se répète. Donc après, en tout, c'est un rang. Le rang d'après, c'est une maille en l'air, une maille serrée. Et directement, là, vous allez dans le groupe qui est là. Vous faites vos 5 brides. Après, vous allez là, vous faites votre maille serrée, votre droite maille en l'air et votre maille serrée. Après, vous continuez tout le rang et vous finissez par une maille serrée. Après, vous reprenez le rang qui suit, vous faites 3 mailles en l'air, vous faites votre dessin comme toujours. Et quand vous arrivez à la fin, vous faites vos 3 brides. Et après, vous continuez. Ainsi de suite. Toujours, ça se répète. De toute façon, je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo que c'est un rang qui se répète. C'est toujours le rang 2 et 3 qui se répète. Donc là, nous allons faire notre maille en l'air. Je vais couper le fil. Comme ceci. Je vais tirer. Donc voilà, ça fait ça. C'est un point qui est comme ça. Donc c'est recto verso. C'est pareil. Donc si vous avez aimé ce point, abonnez-vous, aimez, commentez. Sur ce, à de prochains tutos. Thank you.